Et nous n'avons toujours pas de sans faute. C'est parti avec Richard Spooner et Paco à la poursuite de Julien Payard et de Commissario et ses 4 points 145 secondes et 64 centièmes. Now competing for the United States of America with Paco, Richard Spooner. Richard, time to beat 145.64. Obviously, 4 jumping faults on the clock for Julien Payard from France. Problème résolu. Ça aussi, c'est fait. Un petit peu moins rapide, mais toujours sans faute. L'exploit est-il en train de naître? Toujours sans faute. Mais quel sport! Wow! 162 and clear, he's the new leader. Vous avez vu ce qui s'est passé? Elle est tombée toute seule avant l'arrivée du cavalier. Ça vous fait rire? Là, je me tourne là-haut et c'est le président du jury qui va nous dire le point de règlement. Je ne sais plus si ça a changé ou pas. Si dès qu'il a... Hein? Et c'est l'affiche... Donc le président me dit qu'il n'y a pas faute, le bar est tombé avant que le cavalier effectivement saute l'obstacle. Non, elle est tombée quand il était dans le lac, ou juste avant, quelque part par là, non? Ça?